dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons le nom Jésus de Nazareth. Et mon bon Dieu, te voyons dans la chair là, qui est venu habiter parmi nous pour te faire une lumière qui grand que toute lumière, lumière qui éclaire au fond des ténèbres là, lumière qui éclaire les eaux, qui éclaire veines, qui éclaire pensée, qui éclaire tout désir, lumière qui éclaire côté que l'homme pas kawaya. Nous saluons dans le nom de lumière, ça, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que mon Dieu bénit, que mon Dieu garde nos comptes en genoux sur le plateau Cast TV. Et nous disons, Seigneur, merci, merci, nous bénissons. Parce que lui permet que nous vivions à l'heure ça. Et lui te faire en sorte que lui te prépare tout le bagage à ce que pour serviteur, tu as présenté devant nous après-midi à l'heure. Et pour présenter 100% évangélique. Émission qui au remet en pile là, émission qui dit où la vérité Jacques est lié à, émission qui va cacher ça qui écrit à et qui dit les gens lié à, parce que 100% évangélique fait leur travail, c'est que yo même yo présenté au l'évangile qui écrit à Jacques est écrit à Jacques est lié à, et après yo dit même Jean avec apôtre Paul, c'est que je suis pur du sang de vous tous. Parce que je vous ai enseigné la parole de la vérité sans en rien vous cacher. Et vous en êtes témoin, vous avez tout vu, vous avez tout constaté que nous vous avons enseigné la parole de la vérité sans en rien vous cacher. Et tout ça que nous avons dit, nous montrer au lit, nous montrer au lit noir sur blanc. Et nous tiens à ce que vous constatez pour contour, parce que la parole de Dieu est dit dans Romains 2, le verset 13, il dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justifiés. » Alors, bam li texte ça avant même que nous évoquions le nom de Jésus-Christ dans l'émission 100% évangélique après-midi. Nous allons aller dans Romains 2, pour nous montrer nous ça que nous voulons dire, Romains 2, mais ça le dit. Il dit « Ce ne sont pas, Romains 2, le verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Il dit, pour justifier par la loi ou par la parole de Dieu, pour, ou par la loi de l'esprit de vie, selon Romains 8, le verset 2, eh bien, faut que vous mettez en pratique. Et tout autant que vous ne mettez pas en pratique, eh bien, ou pourquoi qu'à justifier de loi ça, parce que supposé mettre en pratique pour justifier de lui-même. Alors c'est ça que fait nous dit ça. Nous enseignons tout ça qui est écrit, toute vérité, Jean Kelly. Et c'est à vous-même de choisir, à vous-même de mettre en pratique ça qui est écrit. Parce que ça qui est écrit, il est écrit pour vous. Et nous dit tout bagage selon Jean Kelly. Sans qu'il ne nous pas caché ou rien. Parce que l'évangile mandaté nous pour nous faire. L'évangile mandé nous pour nous enseigner aux vérités. Parce que nous pas l'argent à défendre. Nous pas une belle voiture à défendre. Nous pas besoin d'accord personne. Nous pas besoin peine mais personne. Nous pas besoin l'argent mais personne. Nous pas besoin renommer ou bien que personne remet nous. Ça nous pas besoin personne fait nous faire ça. Nous prenons mandat, nous prenons engagement pour nous dire la vérité. Jean qui écrit, qui est au Pavloum, qui est au Raïm, qui est au Remem. Eh bien, au Remem, gloire à Dieu, au Raïm, gloire à Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce que moi, pas baisser les bras pour me dire ça qui est écrit. Parce que la parole dit dans 1 Timothée 4, si vous regardez dans le verset 1 jusqu'à verset 4. Mais ça qu'elle dit dans la parole là. Parce que tout ça qui a fait dans le siècle qui a parlé là. C'était des bagailles que Dieu ou bien le Saint-Esprit était déjà prévoir. Et c'est la raison pour laquelle les que nous voyons bagailles, ça y va passer, pas troubler nous, pas mettre tête de problème, parce qu'il y a écrit pour y arriver, il y a écrit pour y faire. Mais ça, parole l'a dit. Mais ça, c'est vite, bon Dieu, dit avec le jeune Timothée qui t'a instruit au pied de l'apôtre Paul, qui t'a suivi l'apôtre Paul, qui t'a imité l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a eu un comportement spirituel, il a un comportement de vivre avec Christ, il a une façon qu'elle a marché avec Christ, qu'elle a imité Christ, et bien par conséquent, il a demandé toute l'église là pour imiter. Selon 1 Corinthiens 11, il a demandé l'église là pour marcher, suivre, trace, lui-même, lui fait,
gens qui l'ont marché derrière Christ, pour l'église a suivi, pour l'église a marché derrière comme ça. Et c'est peut-être ça qu'il dit, soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 11, le verset 1er, comme je le suis moi-même de Christ. Et il dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset, 2 Timothée 4, le verset 1er, à verset 4, 2 Timothée 4, si vous pouvez noter le texte pour nous, s'il vous plaît, 2 Timothée 4, le verset 1er à 4. Parce que je veux est-ce que tout ça que nous avons dit, nous pouvons pour l'île, pour où est-ce que la parole dit. Peut-être les gens qui sont imposteurs, les gens qui ne veulent pas recevoir la révélation, les gens qui veulent contredire la parole, les gens qui veulent virer la parole, tourner la parole par être devant vos yeux ouverts pour connaître que les pas vont rien. Pour connaître que ça l'a dit, ils ne pas sauter dans mon Dieu. Parce que les gens qui recevent la révélation, elle a parlé, elle n'a pas peur de personne et elle n'a pas tremblé sous le texte là-bas. Elle n'a pas tremblé sous la parole qu'elle a transmise. Parce que Jésus-Christ dit aux paroles qui fort. Jean 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et c'est cette parole qui nous rend fort. Lorsque nous transmettons la parole de la vérité, lorsque nous transmettons Jésus-Christ et que nous avons la force de le transmettre. Avec toute autorité, comme l'apôtre Paul l'a demandé avec titre, qu'il faut enseigner avec autorité pour que son enseignement ne soit pas méprisé par des gens qui sont rebelles et qui ne veulent pas appliquer la parole de la vérité. Et mais ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, de Timothée 4, le verset 1er à 4, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Le verset 2, prêche, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Je ne veux pas prêcher la parole quand ça marche bien ou quand tout va bien. Non. En toute occasion, favorable ou non, que moun content ou moun pas content, n'a pas la parole. Que au courir d'un, que au frapper, que au jouer, n'a pas la parole. Parce que la parole dit, prêche dans le verset 2 de Timothée 4, le verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et avec toute douceur et en instruisant. Cela veut dire que on enseigne avec douceur dans la justice. On instruit les gens selon la saine doctrine. Pourquoi? Parce que dans le verset 3, il dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne veulent pas écouter le frère Patrick, le frère Jean. Pourquoi? Parce que ces gens ont la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Et quelles sont ces paroles agréables? C'est qu'il faut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, par au nom du Père. C'est que la dîme n'existe plus. Ces gens de témoins, ces gens de paroles, les gens ne veulent pas écouter ça. Et ils vont engager des gens qui vont parler, qui vont exprimer, qui vont enseigner des choses qu'eux, ils veulent entendre. Et nous, ils ne vont pas nous écouter parce que les choses que nous enseignons, ce sont des choses de l'Esprit de Dieu. Et ce ne sont pas des choses que les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent écouter. Alors par conséquent, la parole de Dieu, ils détourneront une foule de docteurs. Selon les propres désirs. Détourne le verset 4, détourne l'oreille de la vérité et se tournons vers les fables. Qui ça ouais? Dans l'assemblée, même là, qu'on est femme, n'a pas doit diriger, prêcher. Même là, qu'on est femme, n'a pas doit prier à tête, lui s'envoiler. Qui ça ouais? Ou un pile monde a prié, même là, qu'on est la vérité. Et des gens qui disent être chrétiens. Pourtant, la parole est claire. Il y a une chose, comme dit dans Apocalypse 12, je crois le verset 10. Le verset 10 et Apocalypse 10, 12, on va lire ce verset. À partir du verset 9, il dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est venu. Le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, hein, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, car les serviteurs de Dieu, les apôtres, les chrétiens, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre, la mort. Parce que nous avons le mandat, l'autorité d'enseigner la parole sans avoir à peur, sans avoir à craindre personne. Pourquoi? Parce que c'est que nous enseignons la pensée de Dieu, nous enseignons les choses spirituelles, des paroles irréfutables. Et si les paroles que je suis en train de prononcer sont réfutables, alors vous pouvez les constater vous-même, vous pouvez les témoigner vous-même, parce que nous disons la vérité. Pourquoi? Parce que Christ a testé pour nous dire vérité. C'est ça que fait Dabdi, maintenant se dit que assemble ça même là ouais, qu'on est campé. Chita devant femme non, c'est pas l'évangile. Al chita devant femme cap d'où béni soit l'Éternel, c'est temps ou perdu. Et qu'on est très clair. Parce qu'on n'a pas qu'à dire que c'est mon Christ pour compléter avec mon qui a marché loin de la parole de Dieu, pour compléter avec mon qui a vivre hors de la parole de Jésus-Christ. Parce que l'idée de la Bible est clair dans 2 Jean 1er, le verset 9. Mbalmoutou, est-ce qu'on a une raison pour chita dans le temps, pour soi-disant adorer avec eux, dire béni soit l'Éternel avec eux. Pendant ce temps qu'on est femme, n'a pas de diger, ni pas de prêcher. Et c'est peut-être ça qu'on se tire nous. Nous prenons l'explication ça tout à l'heure après que nous finissons présenter quelques vidéos pour représentons quelques vidéos de témoignages que vous pouvez constater pour eux. Et ce sont des témoignages de confirmation par rapport à l'évangile que je prêche et celui aussi que le frère Jean prêche. Alors, vous allez voir ça tout à l'heure, mais entre-temps, on va partager quelques versets pour vous montrer que le fait de s'unir avec ce genre, eh bien, c'est se comploter, c'est se regrouper contre Christ, c'est se grouper contre son doctrine. Parce qu'il n'y en a pas deux doctrines, mais il y en a une seule doctrine. 2 Jean 1er, le verset 9, a continué. Mais ça dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La doctrine, article là, définit une seule doctrine. Parce que quand on dit une doctrine, il y a des doctrines. Et c'est pourquoi on dit une doctrine. Quand on dit une doctrine, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Mais on dit une pour faire une différence. Mais quand on dit la doctrine, c'est la doctrine universelle. Et c'est celle de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et c'est cette doctrine qui vous donne la connaissance de la parole de Dieu. Et quand vous parlez de cette parole, vous avez l'Esprit de Christ en vous. Parce que Romains 1er, le verset 2, Romains 8, le verset 2, il dit que, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Jean 6, 63, il dit, Jésus-Christ dit, la chair ne sert de rien. Quand vous parlez en étant animé de la chair, on peut le constater, frère. On peut le constater, sœur. Parce que la parole de Jésus-Christ, c'est une parole de force, d'autorité. Et quand on la parle avec pouvoir et puissance. Et c'est pourquoi il dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quel esprit? C'est l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de consolateur, Jean 16, 13. Mais quelle vie? C'est la vie de Jésus-Christ. Colossiens 3, le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. Mais il faut que vous ayez la vie de Jésus-Christ en vous, frère. La vie de Jésus-Christ en vous, sœur. Mais avoir la vie de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ en vous, ce n'est pas Acte 2, 38 que vous devez passer.
vous devez passer par Actes 2, 38. Repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et après quoi? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et parce que le verset 39, Actes 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, pour continuer dans 2 Jean 1er, le verset 10, il dit, si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, laquelle? La doctrine de Jésus-Christ. Et n'apporte pas cette doctrine, mes frères et sœurs, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Même bonjour, pas de deal. Alors, excusez ma fonte d'explication pour vous. Ça ne veut pas dire pour aller ennemi avec vous. Elle dit ça son manière pour vous montrer que vous devez éviter Mounsayo qui pas soumettre avec doctrine Christ là. Ça veut dire que ce n'est pas pour aller ennemi à vous, mais Christ pas pour ennemi à personne. Il vous remettre tout le monde. Mais c'est pour montrer. C'est pour montrer l'importance que vous mettez sur accès à qui accent vous mettez le fait que les gens ne pas demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ, qu'il faut éviter de ces gens-là. Il faut les prêcher, bien sûr, il faut les dire bonjour, il faut les aimer plus que vous-même. Mais il faut éviter, ne pas se mêler avec eux. Alors, le verset 11, il dit, car celui qui lui dit, écoutez bien mes frères et sœurs, déjà premier, le verset 11, car celui qui lui dit, salut, participe à ses mauvaises œuvres. Quelles sont ses mauvaises œuvres? Quelles sont ses mauvaises œuvres? Le fait de vivre éloigné de la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il faut, en demeurer. Il faut y demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ. Il faut enseigner la vérité. Cela veut dire que, pas étonné parce que vous pouvez rencontrer des gens qui ont présenté devant vous. Mais je dis un bagage, frère, je suis bon, je prends le bas, je prends le texte, je dis l'embouchement. Je prends texte ça parce que avant que je ne passe la vidéo, je prends texte ça d'abord avant que je me dise ça. On allait avec notre titre chapitre 1er. Titre chapitre 1er, si je lis la mieux, pour ne pas dire que ce frère Patrick il dit ça dans la propre tête ou bien avec pensée. Attendez ça, mettez accent sur le texte ça, que je vais lire. Dans titre chapitre 1er, c'est très important, frère et soeur, pour connaître la parole ça et pour marcher dans la vérité. Mais ça le dit, le verset, titre chapitre 1er à partir du verset 9, mais ça le dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est réfuter les imposteurs, les hommes, les menteurs, les faux bergers, les faux Christ, selon Matthieu 24, le verset 24. Parce que des faux Christ, des faux prophètes, mais qu'ils me traitent de faux prophètes, pas de problème. Si vous êtes faux prophètes, chers téléspectateurs, consultez-vous. Au contraire, si faux prophètes, c'est moun qui va confirmer ça la bien. C'est moun qui a interprété verset à tête en bas. Et c'est moun qui a dit un bagage dans la parcelle. Mais tout ça me dit où il y a écrit, où il y a preuve là. Parce qu'on ne peut pas regarder un film, ni télévision, ni livre, monsieur a écrit, pour expliquer la parole. Mais on va prendre la Bible. Quel que soit le monde qui voulait d'où il y a un bagage de la parole, de la Bible après. S'il prend un livre, il n'y a pas de Christ. Parce que le monde ne peut pas confesser le nom de Jésus-Christ. Nous-mêmes, c'est ça qu'on va nous faire. Confesser le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a fait, c'est ça que nous prenons la Bible avec vous. Parce que le monde sait, la parole de Dieu m'a demandé pour nous fermer la bouche. Et c'est ça que nous avons fait. Le verset 10, titre premier, mais ça le dit. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vrais discoureurs et de séducteurs auxquels, le verset 11, il faut fermer la bouche. Pourquoi? Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Monsieur, ça, c'est pour l'argent qu'il va pas enseigner. C'est l'argent qu'il connaît. Il ne va pas enseigner l'évangile Christ là. Parce que ça peut poser aux gains fidèles. Zaké ou pas le cas ou gars pour être plus fidèle. Il n'y a pas enseigné ça qui est vérité parce qu'il a perdu. Il a perdu puissance, il a perdu et fidèle, il a perdu monde. Il a formé moi, il a marché dans le mensonge chaque jour.
C'est ta couée l'église remplie avec monde. Pourquoi ce ne sont pas des gens sauvés, mais ce sont des gens qui cherchent Christ. Christ, mais qui ne sont pas encore sur la bonne voie. Et que Christ nous a attesté de les aider à retrouver la bonne voie, à retrouver la voie de la vérité, la vraie parole. Parce qu'on doit attacher à la vraie parole là. Eh bien, il a enseigné des choses pour faire mon périr pour l'argent. Vous avez le roi, vous présentez devant vous, vous regardez, vous regardez le comportement, vous regardez, je vais parler pour eux. Après, vous avez fait une lecture avec tête qui s'en va aller. Mais ça, c'est n'importe quoi, frère Chemio. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que nous avons présenté devant vous et après enseigner la parole de Dieu comme ça? Non, pas du tout. Je ne sais pas quoi. Prends ça, yo. L'évangile pas dit, bon, femme a fait. Enfin, déjà, il n'y a pas l'autorisation, ça. Faites attention. Hein? Ouais, monsieur Oshita et puis mesdames, il a fonctionné. Qui bon ça écrit? Est-ce que l'évangile a l'autorisation, ça? Parce que je parle de prendre autorité. Parce que la parole de Dieu parlait des deux dominations. Depuis Genèse 3, 16, Dieu interdit ça. Il dit, femme, mari ou abdominé sous, mais ce n'est pas femme, et pas femme qui a abdominé sous mari. Et qui sont, ouais. Les représentants de vous, ça, bon. C'est ça, n'a pas dit pas, bon, yo, contre nous. C'est eux, yo, présenté, bon, là. Et yo, pas de preuve pour yo, deal. Yo, abdou, pas fait ci, pas fait ça. Même après, dit ou ça encore. Gena assemblé ou yé. Et au condamné ensemble là ou pas qu'à sauver là même la Phyllis boule pas maintenant il m'a dit ou lui m'a prédit lui il pas qu'à maintenant la Phyllis boule m'a même pas au ciel parce que monde qui devant là Christ pas mandaté Christ parlé et c'est ça qui fait le pas qu'à bon parole de vérité parce qu'elle pas gain Christ dans lui parce qu'elle pas scellé parce qu'elle pas recevoir l'esprit de Christ et c'est ça la parole dit et nous parlons tout ça tout à l'heure n'a fini lit ça pour nous cap monter ça l'un d'entre eux. Le propre prophète a dit, il y a des gens qui ont envie d'entendre, il y a des gens pour parler pour eux. Et dit, crée-toi toujours menteur, parce que ça lui a enseigné, c'est dans le mensonge, il a enseigné, il a toujours avancé plus dans le mensonge. Méchant, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, afin qu'ils retrouvent la parole de Dieu, qu'ils retrouvent avec vraie foi, vraie parole, là, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et de vous faire croire, ce sont des commandements d'hommes qui détournent de la vérité de Jésus-Christ. Ils ont enseigné pour embobiner ce qui n'est pas vrai. Et le verset 15, il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Les intelligences et leur conscience sont souillées. Il dit, conseil de monde, même leur belle vérité, la conscience est souillée. La conscience est pure. Tout ça, par exemple, bon. Frère Patrick, c'est la bière, là, c'est la bière. Frère Patrick, pas souvent rien. Frère Patrick, perdu. Comme dire au pasteur Pézard, Frère Patrick, par contre, Frère Patrick est garé, il faut prier pour lui. Mais pasteur, si vous consultez la parole de Dieu, pour garder ça, la Bible dit, ou pas, peut-être jamais osé vous dire que Frère Patrick est garé. Et parce que le monde qui est preuve, là, c'est lui qui t'a adoué, qui peut t'aconseiller comme égaré. Bon, comme je t'ai dit, Christ est garé, nous n'avons pas de problème pour ça. Mais ça n'a pas dit, si que l'évangile qui n'a pas prêché n'est pas vrai, refitez-le. Pour refiter, ce n'est pas penser, ni avec ça, on connaît. Ni avec enseignement théologique, parce que l'école théologique, ça, c'est la catholique romaine qui domine sur toute net. Théologie dans toute, le Saint-Esprit enseigne dans l'école théologique, ça. Yo. Et c'est ça qui fait Wapoué, qui a deux frères qui t'ont enseigné, qui quittaient la catholique romaine, qui quittaient l'enseignement biblique, parce que ce sont des enseignants dans l'école théologique. Mais puisque qu'on a eu une catholique romaine décide de changer tout les pitchs, par la psychologie chrétienne. Alors, il y a des fois qui renoncent à enseigner ça, pour y défaite et dénoncer ce système ça. Et c'est la raison pour laquelle on monsieur saute dans la théologie, il y a plus égaré que j'ai noté. Parce que même là où il y a la théologie, c'est pas rien à apprendre, c'est pas rien à connaître du tout, c'est plus égaré ou plus égaré. Et il n'y a pas qu'on rien. Il y a une formation comme toute formation, mais il n'y a pas l'esprit de Christ pour comprendre la parole. Et l'esprit est souillé. Ou dit la vérité, ou pas connaît parce que l'esprit est déjà souillé. Mais moun qui est l'esprit de Christ, là, tout ça qui saigne par devant lui, connaît. Et qu'on a pour mon texte qui m'a dit là, c'est le verset 16. Moun ça va le présenter devant, c'est vrai, il va présenter devant, il dit c'est chrétien. Mais, regardez, ouais, ou pas chrétien. Le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Rebelles, abominables. Regardons, fille Capli, Capri, Actet, Lisa Valé, c'est abominable. Son rébellion. Hein? Son monde qui rebelle qu'elle y est. Hein? Regardons, fille Cap dirige, Cap prêche pendant ce temps. Yo connaît ça t'écrit. C'est abominable. Yo fait profession de servir Dieu, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est faux. Et yo pas de crête pour mon Dieu. Le représenter comme des imposteurs.
parce que yo pas gain connaissance de la parole de Dieu, l'intelligence yo bouché, yo pas connait ça qui écrit là. Là yo n'y a prête pour yo manger, prête pour yo tuer, yo quand même tuer yo même et yo maintenant tête sur service yo avant yo apprendre Jésus-Christ. Pourtant, c'est pas vrai parce que yo pas même parole là. Pourquoi yo pas même parole là? N'a dit pourquoi. Allez dans 1 Jean 4 pour nous finir avec exhortation ça parce que nous parle présenter quelques vidéos ba ou dans exhortation ça. 1 Jean 4 le verset 6 ou après pourquoi que yo pas qu'attendre frère Patrick, yo pas qu'attendre frère Jean, yo pas qu'attendre yo ou après pourquoi. Et les représenter devant là, yo ta changé pour venir présenter devant, yo présenter Jean Otéa parce que pas bon travail qui fait dans vie. 1 Jean 4 le verset 6, il dit ils sont du monde. Eh, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. C'est normal. Ils sont sortis dans le monde, pensaient sur penser le monde. Eh bien, le monde tendait. Le monde écoutait parce qu'ils sont dans le monde. Ils n'ont pas qu'à pas de problème avec eux parce que nous n'avons pas même l'esprit avec eux. Ils n'ont pas qu'à attendre parce que nous n'avons pas même l'esprit. C'est normal. Mais le verset 6, il dit, dans 1 Jean 4, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est pourquoi les gens qui se sont vraiment monde qui vraiment lagué, plongé, qui recevoir la révélation de la parole de Dieu, là ils attendent nous, ils sont contents. Monde qui veut, ils sont contents. Monde qui veut, ils sont contents. Pourquoi? Parce que ils attendent une parole qui baille la vie. Parce qu'ils attendent une parole qui écrit noir sur blanc. M'pap kopé pou m'dou et frère mieux attendre un bagaille. La parole de Dieu dit l'offre aller qu'a écrit. Enfin, l'offre vient là qu'a reçu que tes pieds son bénédiction le vide. Si m'dou ça va prendre. Mais ceux qui connaissent ça, c'est ce qu'on va prendre. On va dire non, ça va parce que dans la Bible. La Bible pas jamais dans bagaille comme ça. C'est ça. Parce que l'homme qui connaît ça, depuis mon nom, dit ça pas bon, rapide, 10 fois, fait dans un fort. On dit, ou qui te texte ça. Ça pas écrit. Parce que c'est ça que l'évangile. C'est pas mon nom qui a fait des bons, ils font un gros discours. Jamais pour un verset. Ou bien mon nom pour un verset, il fait 300 ans à parler. Selon pensée, non, faut lire. Parce que l'Esprit de Dieu, il utilise les paroles de Dieu. Apocalypse 13, 19, le verset 13. Apocalypse 19, le verset 13. Est-il été revêtu d'un habité de sang et son nom est la parole de Dieu. Alors, puisque la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, alors quand l'Esprit de Jésus-Christ parle, il utilise les paroles de l'Esprit, la pensée de Dieu. Parce que quand nous avons Christ, nous avons la pensée de Dieu. Et nous transmettons la pensée de Dieu. Et vous pouvez en constater, frère. Et c'est la vérité. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est vrai. Celui qui n'est pas de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas nous écouter. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et la parole continue pour dire, c'est par là que nous connaissons l'Esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur. Alors, il y a un mauvais prêtre pour bateau. Et je vais vous dire, si vous sentez au fond du cœur, pendant que vous regardez là, si vous regardez, parce que vous avez des gens qui ne regardent pas encore. Parce que Frère Patrick, ça l'a dit, vous pas rebelle. Si vous sentez dans le cœur, vous avez une haine pour Frère Patrick. Si vous sentez un raï, Frère Patrick. Si vous sentez un petit malaise à Frère Patrick, seulement ça va prendre, si vous avez sauvé, si vous pas sauvé. Parce que le premier commandement, c'est ça. C'est que nous devons aimer nos frères. Alors, si vous avez senti problème ça, on met qu'on a un pile problème pour sauver. Alors, remaniez-vous pour pareil, Frère Patrick, parce que ça l'a dit la sévérité et vous avez preuve là, non, mais vous pouvez constater parole ça. Sous ça, tout raïm, on met qu'on a un problème. Ou un problème. Et n'a dit ça, vidéo que nous pouvons passer, bah oui, son avertissement. Ou bien, tu as dit, plus près, on avertissement qui sont vision, en vision de l'avertissement. Et nous, quand on dit pour plus précis, c'est une confirmation de ça que Frère Patrick n'a pas enseigné, que nous pas bas importance, même les membres de la Bible. Ça veut dire que nous préférons attendre au monde qui a parlé dans la pensée, que nous attendons au monde qui a lu verset par verset. Parce que il y a des gens qui disent, laissez la Bible parler, pourtant vous parlez dans la place de la Bible, nous-mêmes, la Bible doit parler parce que c'est le langage. Et ce sont les pensées de Dieu. Alors, laissez bon Dieu exprimer. Alors, c'est une vision. Qui c'est un avertissement que yon soeur. Et ce, ça n'a plus confirmation. Abdou li baptisé tout dernier. Li te baptisé déjà. Oui, s'il vous plaît. Li te baptisé déjà. Li baptisé tout dernièrement. Parce que, alors, li rebaptisé ou bien li baptisé. Parce que li pas baptisé du tout.
Parce que baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on ne peut pas baptiser dans aucun nom. Parce que qui est-ce qui Père, qui est-ce qui Fils, qui est-ce qui Saint-Esprit, comment il est, quel est son nom, quel est le nom propre. Parce que le texte a dit au nom, au singulier. Non au singulier, ça veut dire un seul nom. Mais ce seul nom-là, quel est ce nom? Parce qu'il n'y a pas de nom, c'est un seul nom, c'est un seul nom. On parle d'une seule personne. Et pour donner la confirmation, Jésus-Christ, en arrivant dans le verset 20, Matthieu 28, il dit,